souffle d'un orage, au moins c'est le vent. Les villages face à face fixés calmement. Les cloches ici silencieux, prêtes au soulèvement. Les cloches ici silencieux, prêtes au soulèvement. Les anciens Canadiens, mon français chrétien, se donnent rendez-vous pour se prendre en main. Dans un village au bord de la Richelieu, qu'on appelait jadis rien des Iroquois. On appelait jadis rien des Iroquois. Partir au matin, c'était dans la nuit. Le sur en résistance, en coupe et tabac. La frontière des étangs, la Yamaska. À cheval ou à pied, tous dans les mêmes ports. À cheval ou à pied, tous dans les mêmes ports. L'autre mois, l'octobre, et de si le froid nous aidait à prendre le bon temps. Si j'en doute tout métier venant t'y compter. Ils étaient assemblés quand elle fut levée. La colonne érigée pour la liberté. Et ses fils unis, projet d'égalité. Et ses fils unis, projet d'égalité. Canadiens, Irlandais, aussi des Anglais. Dénonçant l'attitude des hommes d'Angleterre. Dans les 92, des solutions. Trouvèrent autant de raisons de faire la rébellion. Sont représentants, faisaient bouger les choses dans le Parlement. Ces idées mises à prix ont pendu ces gens. Mais s'ils ne sont pas morts face au pied du courant. Mais s'ils ne sont pas morts face au pied du courant. Un autre mois d'octobre et de dérangement. Comme si le froid nous aidait à prendre le mort au temps. Un autre mois. Si le froid nous aidait à prendre le mort au temps. Un autre mois d'octobre eut de dérangement. Comme si le froid nous aidait à prendre le mort au temps. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, à bientôt.